Rugby, historique des matchs Angleterre-France. Les confrontations entre les Bleus et les Three Lions ont toujours été spectaculaires, avec beaucoup d'enjeux et d'intensité. C'est pour cela qu'on le surnomme le crunch, qui est un terme anglais qui signifie moment crucial. Ces rencontres sont les plus suivies et les plus médiatisées, car elles opposent deux des meilleures équipes de l'hémisphère nord. Au cours de l'histoire, ces deux nations se sont affrontées à 110 reprises. Les Anglais ont remporté 60 rencontres, alors que les Bleus n'en ont remporté que 40, et 7 matchs sont nuls. La première rencontre a eu lieu le 22 mars 1906 à Paris, mais il a fallu attendre 1927 pour voir la première victoire des tricolores après 15 victoires. Anglaise et un match nul. L'un des matchs les plus mémorables s'est déroulé le 21 mars 2015, dans l'antre de Twickenham pour la 99e crunch. Ce dernier a vu un véritable décollage pour les Français, qui ont encaissé 12 essais et un score final de 55 à 35 en faveur des locaux et ses 82 000 supporters fous de joie. Quant au bilan des confrontations en Coupe du Monde, l'avantage est toujours du côté des Three Lions, avec 3 victoires contre 2 victoires pour les Français.